engagement. Dans le nom de tous les militants, PHTK y a lié pour nous dire nous ne pas faire back sur la bataille de la nous ne pas camper pour une seconde sur le combat de la menée pour nous arriver à un état de droit et respect voix nous. Et nous profiter pour nous terminer, pour nous dénoncer le comportement autocratique et antidémocratique de M. Privert, président provisoire. Il n'a pas rappelé, pour nous finir, pendant un bout de temps qu'il n'a pas l'air. Ce n'est pas 120 mois, c'est 120 jours. Un président qui a gagné un mandat express, fait élection. Il comporte les identités de M. Privert pendant ces 120 jours qui va finir dans quelques jours encore, ça c'est clair. Dans quelques jours encore, M. Privert pas capable d'ordonner, coordonner action malhonnête. Ça. Le mandat a fini et M. Privert a trouvé dans l'obligation pour tirer la révérence. Et que nous toujours m'attelons pour nous dire que nous-mêmes nous attachés au respect des normes et des principes et à l'application de l'article 189. Monsieur Privert comprend-il dans le palais national comme un démagogue, un imposteur, un obsédé de pouvoir, un cynique et un arrogant. Et sous ça, dans tout militant qu'il a, nous lancer sur tout territoire national là, opération zombio après la loi. Nous lancer encore. Opération Zombio après la rue à 4 électoralio nommeyo pour jouer deuxième tour élection. Nous-mêmes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil d'Haïti après que comédie ça, film ça que tout le monde te connaît, comment t'as fini avant même que tu t'es projeté là. Pas rien qui changé pour nous. Nous maintenons Kaplan sous publication calendrier électoral là par le conseil électoral provisoire et puis nous dit Privert bye bye. Bye bye parce qu'il est au bout du rouleau, mission finie et a gagné tout démocrate dans le pays ça, capable gagner pour ensemble avec le PHTK yo concerté pour que Parlement haïtien lui-même prend responsabilité et rapidement penché sous dossier succession dans tête paysan de Jocelyn Privert.